C'est beaucoup plus tard, après avoir quitté le pays pour quelque temps, que j'ai compris pourquoi je m'étais prostitué. C'est qu'à ce moment-là, je cherchais toute l'affection, tout l'amour que j'ai cru ne jamais avoir eu. À ce moment-là, je comprenais pas que c'était pour ces raisons-là. Je croyais au contraire que c'était parce que j'étais dans la misère et que je pouvais m'en sortir seulement par l'argent. Aujourd'hui, je comprends qu'il y avait seulement l'amour et l'affection qui pouvaient faire quelque chose pour moi. Puis sans le savoir, c'était ça que je cherchais. C'est Maurice qui me l'a donné. Il m'a prouvé que j'étais capable d'accéder au monde des adultes. C'est-à-dire d'aimer à mon tour. Ça peut paraître bizarre à bien du monde de voir que c'était un homme qui m'a permis de me découvrir. Mais c'est quand même Maurice qui, par son affection, m'a permis de récupérer toutes les énergies que j'avais en moi. À 18 ans, dans l'état psychologique et économique où j'étais, c'était comme si on m'avait lâché au milieu d'un lac. J'étais dans une situation d'urgence. Ou tu coules, ou tu nages. Maurice m'a aidé à nager. Puis c'est parce que je l'ai rencontré que je m'en suis sorti. Je l'aimais, Maurice, parce qu'il m'a aimé. Jamais je pourrais l'oublier. Les parents veulent trop souvent faire de leurs enfants des copies conformes de ce qu'ils sont eux-mêmes. Ils ne nous permettent pas de les quitter. Ils n'acceptent pas qu'on soit nous-mêmes pour ne pas brouiller l'image d'eux-mêmes qu'on leur renvoie. Il faudrait qu'ils comprennent qu'on vit après eux. Je les aimais, mes parents. Mais à tort ou à raison, j'ai cru qu'ils m'aimaient pas. Parce que tout bêtement, même si ça peut vous faire rire, ils me l'ont jamais dit. Mon père était toujours occupé. Ma mère était toujours silencieuse. Le seul contact que j'ai eu avec eux, mon père surtout, c'était l'autorité. C'est ça qui me révoltait. C'est en nous refusant à l'expression de leur amour que nos parents veulent inconsciemment nous empêcher de les quitter. Sans leur amour, on ne peut pas accepter les valeurs qu'ils nous donnent pour pouvoir faire notre vie.
OK, les petits gars, c'est bon. Hey, il va se faire Touche-moi. Hey, petit gars, va te calmer, va prendre l'air, t'en reviendras plus tard. C'est une place publique, c'est, t'as pas le droit de me toucher. Public ou pas public, je t'ai dit de sortir, attends pas que je te sorte. C'est pas de notre argent, on va aller jouer à la gare. Mais t'es bien. J'ai jamais eu peur de ça, moi, une tapette. Je suis sorti parce que j'ai voulu. Quand on a de l'argent, il n'y a pas à écœurer le monde. Oh, laisse tomber ça, il n'y a rien, là. Je vais y péter ses vitrines, moi. Ah, viens, on va au plat, va au pot. Ça te tente de te faire écœurer, va-t'en. Mais moi, ça se passera pas de même. Une bière? Eh, j'ai le temps, regarde-le, sans problème. Tu m'en payes-tu une ou tu m'en payes pas? Ça fait combien depuis une semaine? Pas souvent à ton tour. La 6, c'est quoi? Ah ouais, Tremblay, prends les notes. Check ça. C'est comme ça qu'on rentre. La 6 au coin. Hey, si tu rentres ça, pisse ça à terre. Sors un lien pour moi. Check ben. On va faire un clean. Oh, c'est bien. Encore à ton tour. Quand tu comprendras, tu parleras. Tout de même que ça se joue. Au cross-coin. Ça te tente, tu te souviens que j'ai du bon stock? C'est que t'étais. Tu t'es cherché toute la veillée. Sans faire, eux autres jouent au pool. Je ne sais pas, mais c'est pas en détente pendant deux heures sur une vieille qui m'ont fait vivre le club. Oh!
As-tu vu le dernier show de Kiss? Il vient-tu de San Francisco? Le arche qu'on a fumé, il vient de San Francisco! À Noël? À Noël, on va y être. Oh oui, avec 90 ans de PS! Voyage garanti! On a juste à mettre nos chèques de côté. Parle pas d'argent, c'est pas important. Ce qui est important, c'est la vie, là. La piscine! Le chauffeur! Ah! Un char! Une grosse caddie! Ça va être différent de ton uni, ça. Tu vas te perdre là-dedans. Pouf! Tu te fais ça, faut se péter! Là, les gars. Bon, c'est bon, on marche en bas de la piscine, puis on est tombé. Mais c'est ça! C'est loin, San Francisco. C'est plate, ça. On pourrait aller au tabac. Ça passe à rien, ça. T'as rien à perdre. Pourquoi on partira pas? 35 piastres par jour, les mains pleines de goudron, mal dans le dos, moi, ça me tente pas. Il y en a qui font ça dans une heure, 35 piastres. Ben, si t'aimes pas le tabac, on peut ramasser des pommes. Ce qui compte, c'est de partir. T'es cœuré, je suis tanné. Moi aussi, je suis tanné. Mais tu rêves en couleur. Pourquoi rester ici? Y'a-tu quelqu'un qui t'aime, toi? On est tous les deux. Les deux. Aimer, là. Jamais cru à ça. On est pareil, toi deux. On n'intéresse personne. Salut, Claude! Salut! Ça te tente-tu de sortir? Ça dépend, pas d'argent. Ça peut toujours s'arranger. Ouais, je sais pas, là. Écoute, c'est pas pour une heure de plus ou de moins. Dans une heure, t'es capable de boire pour 20 piastres? Alors, moi, tant qu'à sortir, c'est au moins 2 heures. Et ton chum, lui? Il boit-tu autant que toi? Lui, il est dans AA. Laisse-le donc répondre, ton chum. Il a une langue, lui, ici? Il n'y a rien d'intéressant. Toi, qu'est-ce que tu décides?
On règle dessus pour un petit 2 heures. Tout au bout. Salut, on se reverra plus tard. Quand est-ce que tu vas me payer? Tu feras frapper comme tout le monde avant de rentrer. Paye ton loyer comme tout le monde, mon pit. Puis je vais frapper comme tout le monde. On est en retard de 2 mois, mon pit. Sois pas inquiète cette semaine. Hey, niaise-moi pas. Je peux pas t'attendre 100 ans. N'as-tu de l'argent ou si t'en as pas? On sait qu'il y a bien des jeunes comme toi qui sont habitués de se faire payer. Je comprends ça, mon pit. Si t'as pas d'argent, on peut toujours s'arranger. Oh, ta main jouée, cœur! Si tu penses que tu vas me poigner le cul pour de l'argent, tu te trompes. Sais-tu ce que tu vas faire, là? Tu vas sortir d'ici. Ton maudit loyer, je vais te le payer. Mais pour tout de suite, t'es chez nous, puis tu vas sortir. Fais attention à comment tu me parles, le jeune. Je vais te faire sortir par la police, moi. Tu vas voir, ça sera pas long. Mon gros cochon, la police, tu peux en avoir bien plus peur que moi. Je te donne jusqu'à la fin de la semaine. Tu devrais aller travailler plutôt que niaiser toute la journée. Ça, c'est pas de tes affaires, OK? Dehors! Au lieu de boire ton chèque de bien-être, tu serais bien mieux de payer ton loyer parce que je vais te mettre dehors. Ah, ouais. Arrête de bouder. À 20 $, t'as pas de juste boire de la bière. Tu sais très bien que je peux aller boire hier soir. Tu l'avoues. Oui. C'est ça que tu veux savoir, c'est ça que tu veux que je te dise. Oui, je la fais, la gaffe! As-tu quelque chose de mieux à proposer? Moi aussi, j'ai envie d'avoir un char. D'être habillé comme du monde. Je t'écœurerai de mon trou dans le sous-sol. Moi aussi, j'en veux une femme puis des enfants. C'est pas en rêver de San Francisco que tu vas y aller. C'est pas en saignant des bières que tu vas le payer, ton loyer. Ouvre-toi les yeux, t'es pas plus fin que les autres. Ça fait longtemps que tu fais ça. Qu'est-ce que ça change? Que ça fasse 2 ans ou bien 2 mois. Ce qui t'écœure, c'est que je la fasse, la gaffe. Oui, tu m'écœures! Tu pourrais faire autre chose. Je pourrais faire un vol de banque, avoir un père millionnaire. Je pourrais étudier pour aller chômer. Moi, j'ai pas de temps à perdre. Je veux de l'argent, puis de suite. C'est aujourd'hui que je vise, pas demain. Moi, je serais jamais capable de faire ça. Tu rêves encore, François. T'as le même âge que moi, puis qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais avec tes beaux principes? Tu n'as cherché de l'ouvrage, tu n'as pas trouvé. T'es un tout nu comme moi! Qu'est-ce que tu fais avec ça? Arrête! Ou je te casse ta gueule, crise de tapette! Envoie, frappe-moi.
C'est pas parce que tu bandes, tu viens, tu fais un job à l'autre, que ça te donne 20-25 piastres, puis ça te prend 20-25 minutes, que t'es tapé. Puis ça, mon hostie, tu le sais! Envoie, casse-moi la gueule! Mais ça arrange rien. C'est aussi bien de faire ça que de crever tout seul dans son coin. C'est bien que je bois pas. Prends ça. Ça va te détendre. C'est vrai que je fais une belle vie comme ça. Une grosse voiture. Je me promène pas mal. Mais quand tu changes d'hôtel tous les soirs, c'est pas drôle. Bien que tu finis par connaître pas mal de monde. Moi, je suis dans l'import-export. Je passe ici une fois par deux semaines. Au fait, je m'appelle Raymond. Tu t'appelles? François. On t'a déjà dit que t'étais beau. Ça me rappelle, j'étais à Rimouski. T'es bien pressé? Ouais.
aïe, aïe! T'as-tu vu François? Non, on l'a pas vu. As-tu longtemps que tu l'as vu? Pourquoi le jour? T'as-tu une place où aller? Non, mais on va en trouver une. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Au! Au! Qu'est-ce que c'est? Hey, faites-moi pas mal! Faites-moi pas mal! Non! 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 Au! Hey! Tu m'étouffes! Non, je peux plus respirer! Au! Tu as pris ce petit gars, hein? Deux. Ah oui! De toute façon, c'est une bouteille, hein? Pas de problème. Ah! Ah! Oh!
As-tu remarqué que les vins sont comme les hommes? Il y en a des vieux, il y en a des jeunes. Ils sont mûrs ou trop verts. Goûte-y. Dis-moi si tu l'aimes. Ouais, il est bon. Il y a une différence cependant chez les hommes, c'est que ce sont les vins mûrs qui ne sont pas aimés. Tu vois, il y a beaucoup de jeunes comme toi qui auraient avantage à me connaître, à qui je pourrais offrir un toit, la peinture, la musique, des voyages, des études aussi. Tu vois, j'ai de l'argent, mais je ne sais plus quoi en faire. Oh, j'ai étudié en Égypte. Je parle arabe. Mais je ne connais plus d'arabe. Pour vivre profondément, il faut avoir de l'argent pour le dépenser. Puis la jeunesse aussi, pour savoir la dépenser. J'aimerais visiter Paris avec toi. Découvrir les quais. Notre-Dame, Versailles. J'ai beaucoup étudié. Mais j'ai l'impression que ça ne sert plus à personne. Avant, j'étais prof. J'avais l'impression d'être utile aux jeunes. Mais maintenant, j'écoute une symphonie, puis j'aimerais en faire apprécier toute la subtilité aux autres. Aimes-tu la musique? Ah oui, j'aime la musique. Mais je pense que c'est pas celle qui vous plaît. Tu sais comme c'est difficile d'établir le pont entre deux êtres. La solitude, quand t'as atteint un certain âge, c'est comme entrer chez les moines. Avant de dire la messe, vous pensez pas que vous pensez un peu trop tout seul dans ce cas-là? Vous imaginez-vous quelqu'un m'aime? Penses-tu que moi, j'aime quelqu'un? Sans ça, je serais pas ici. Moi, veux-tu que je te donne ce qui te manque? Ça prend un certain temps avant que deux êtres puissent échanger. On pourrait s'apporter quelque chose. Vendredi, on pourrait se revoir. Vendredi, moi, je t'occupe. Embrasse-moi. Salut. Qu'est-ce que c'est ça? Oh. L'autre doit être à l'hôpital. Ça fait partie des risques. Je peux-tu coucher chez vous? Oh, fais attention, ça brûle. Faut ce qu'il faut.
Arrête de chialer. Même ton père fera pas ça pour toi. Ma mère non plus. Oh. Je les ai pas connus, ni l'un ni l'autre. Orphelin ou pas, je te garantis que ça fait pas grande différence. Mais je le savais pas. Tu sais pas non plus que... que je suis pas de la ville. Je pourrais te décrire tous les foyers d'accueil de Gaspé à Rimouski. J'ai fait 32 en 16 ans. Puis aujourd'hui, je suis capable de manger de poisson. Tu sais, des pères qui t'aiment te poigner le cul, j'en ai vu. D'abord que le chèque rentrait, c'était bien correct. Moi, j'avais pas ce problème-là. J'ai eu juste un père. Le jour, il donnait ses cours, puis le soir, il préparait ses conférences. Pis si tu me trouves mec, ben, c'est parce qu'il était grano, là. Puis il voulait que je perle, puis... Ça part encore. Chouarie-moi pas, ou je te cogne. Ben, il venait eu assez pour asseoir. Chaque fois que je leur ai demandé quelque chose, ils m'ont jeté dehors. À la fin, j'ai pas été obligé de partir. Toi, pourquoi t'es parti? Il est venu un temps où j'en pouvais plus. C'était l'été. Puis j'avais pas envie d'aller dans le bois avec papa, maman et la petite sœur. Tout ce qu'il pouvait régler par chèque, il me le donnait. Mais il m'a jamais rien donné qui a coûté quelque chose. Comme il me parlait jamais, j'ai décidé de plus le voir. Moi, je sais pas si à ta place, j'aurais été capable de partir. T'aurais été bien obligé. Aujourd'hui, les jeunes, ils se débrouillent tout seuls. En principe, tout le monde doit travailler, mais il y a d'ouvrage pour personne. Quand on est parti, on fait ce qu'on peut. As-tu déjà aimé quelqu'un? As-tu déjà eu quelqu'un dans ta vie? Non, jamais. Toi? Peut-être. Mais je l'intéresse pas. Si t'étais une femme, je pense que je t'aimerais. Vous êtes chanceux. Vous avez toute la vie devant vous autres. Tu sais, moi, ça m'arrive parce que je suis souvent tout seul le soir, comme ça, dans des villes différentes. Mais faut pas t'en faire avec ça. J'aime ma femme, puis mes enfants. Ce que j'aime, moi, c'est de connaître les gens. Puis avoir des expériences nouvelles. Y a rien là. On est assez vieux pour savoir ce qu'on fait.
J'ai fait 20 pièces cet après-midi au centre d'achat. J'ai acheté 3 joints. Ah, tu veux? Non, non, pas de suite. Non, as-tu acheté billet? Non, c'est remis. Ils viennent pas. Le gars stationné là, là. Qu'est-ce que tu penses qu'il veut? Tu le fais ou tu le fais? Pile ou face? Aujourd'hui, c'est face. C'est pile. Prends soin de toi. Attends-tu quelqu'un? Oui, toi. J'aime mieux te prévenir, je suis commercial. C'est 25$. Écoute, je te donne 25$, mais j'ai pas dit que je voulais coucher avec toi. C'est comme tu veux. T'es le genre qui aime parler. Oui, j'aime parler. Mais j'aime faire l'amour aussi. C'est la première fois que je fais monter un prostitué. Mais toi, c'est pas la première fois que je te vois. Moi, je t'ai jamais vu. C'est curieux. T'as pas le physique de l'emploi. T'as l'air trop intelligent. T'as plus l'air d'un étudiant. T'es comme tout le monde. Tu nous prends pour des imbéciles parce qu'on se fait payer. Pourquoi tu fais ça? Je viens de te le dire. Je suis content que tu fasses ça seulement pour l'argent. T'avais peur que ce soit par vice, hein? Ton cas s'améliore pas. Si tu fais une enquête, je te préviens. Je suis pas un cobaye. Non, je fais pas d'enquête. Je veux juste te connaître, toi. Pas le prostitué. Je veux, je peux t'aider. Je t'ai rien demandé. Sauf 25$. Si tu te prends pour un parcomètre, je mettrai 25$ dans 20 minutes. Te drogues-tu? Tu veux tout savoir, hein? Puis tu t'imagines toujours le pire. Ben non, je me drogue pas. Bon, un joint de temps en temps. Si tu pouvais retourner aux études... Avec lâche-moi que ça. Si tu pouvais retourner aux études après tout, t'es jeune, et puis... Dans quoi t'aimerais aller? Je te répondrais pas parce que ça serait inutile. Je t'ai tellement connu que ça intéresse à moi. Rien que m'avoir à l'œil, tu me la feras pas. Tu m'as dit tantôt que j'étais comme tout le monde, mais là, c'est toi qui deviens banal. Tu t'imagines qu'il n'y a jamais rien de bon qui peut t'arriver. Ta vie ne peut pas te faire un cadeau pour une fois. Pourquoi tu me ferais un cadeau? Je t'en fais pas, moi. Tu me payes une pièce la minute depuis que je suis avec toi. Tu me connais depuis 4 ans. Tu vas me dire que tu m'aimes.
Puis tu voudrais que je te croie? Moi, je suis peut-être prostituée, mais je joue pas avec le monde. Parce que je trouve ça écœurant de faire croire au monde qu'ils peuvent s'en sortir. Puis après ça, faire l'amour tendrement avec eux. Puis les oublier le lendemain matin. Tu me montres cette salade-là parce que t'as besoin de plus de tendresse que de sexe. Oui, j'ai besoin de tendresse. Mais j'ai pas seulement envie d'en recevoir. J'ai besoin d'en donner. Qui te dit que ce que je veux faire pour toi, y a pas déjà quelqu'un qui l'a fait pour moi? Et que ce serait comme payer une dette? Te serais-tu déjà prostituée? Non, mais j'ai déjà eu bien besoin qu'on m'aide un jour. Si quelqu'un m'avait pas fait confiance. Juste le fait qu'il m'a cru assez intelligent pour le faire. Je suis peut-être même pas vivant aujourd'hui. T'es drôle. Si c'est juste pour payer une dette, fais-moi un chèque. C'est ce que mon père faisait. Non, ce serait trop facile. Et puis tu croirais que je te méprise et que personne ne peut t'aimer. Et c'est ça dont tu as besoin de guérir. Ta prostitution te dérange plus qu'elle me dérange. Et puis tu la mets dans la face de tout le monde comme si tu pouvais pas faire autre chose dans la vie. Tu te condamnes toi-même et tu voudrais que je prononce la sentence. Moi, je crois que tu mérites d'être gracié. Peut-être le 75e client que je fais. Mais c'est pas parce que tu m'as payé à souper et que tu m'as emmené ici. Faut que tu penses que je t'aime. Je te désire pas. Si tu veux, je peux le faire. J'en ai l'habitude. Tire la porte. On s'est dit pas mal de choses hier soir. J'ai pas envie de répéter tout ça. Mais je voudrais que tu réfléchisses. Et surtout, je voudrais que tu me croies. Je ne joue pas. Et surtout pas avec toi. C'est la première fois qu'on le met du noble. Mais garde-le. T'en as plus besoin. Moi, garde-le. Je ne devrais pas faire ça. C'est pas tes affaires! De toute façon, ça fait tellement longtemps que tu m'as pas donné de tes nouvelles, j'avais même pas de parler. Tu sais, ben, c'est parce que je t'ai occupé que j'ai pas pu te voir. C'est ça! C'est pas parce que t'as un client cet été. Depuis un mois, t'as plus le temps de me voir. Un client.
Va-tu falloir que je te paye pour te voir? Claude, ça fait combien de temps que tu prends ça? Tes affaires, ça! Moi, par exemple, j'ai un conseil à te donner. Si tu veux garder ton client plus longtemps, je pourrais te montrer une couple de nouveaux trucs. J'ai pas mal travaillé depuis un mois. Claude, si tu commences à te droguer, tu sais ce qui va t'arriver. Ça commence toujours par des speeds, puis après ça, tu vas te shooter. À partir de ce moment-là, tu pourras pas aller bien loin. François. Pourquoi tu m'as laissé tomber? La dernière fois qu'on s'est vu, je pensais... Puis je me sens tout seul. Pourquoi tu m'as laissé tomber? Qu'est-ce que je t'ai fait, moi? Je suis tout seul. Il n'y avait rien que toi qui me parlait. Viens, je vais te payer une bière quand même. T'aurais pas dû faire ça. Même si t'as trouvé quelqu'un. Claude, tu sais bien que j'ai pas voulu te laisser tomber. Puis je te laisserai pas tomber même si j'étais avec quelqu'un. Attends. Je vais t'aider à rentrer. Qu'est-ce que je vais aller faire là? Viens, je vais t'aider. Tu me laisseras pas tomber, moi. Hein? Ben non, toi. Ça ne sera pas tombé, François. Ben non. Couche-toi. Ça va te faire du bien. Je reviendrai te voir demain après-midi. Ça va te faire du bien. Sois pas inquiète, je partirai pas avant tout le temps.
As-tu remarqué que les nuits sont plus fraîches? J'ai l'impression que l'été s'achève. C'est en train de me dire qu'on n'a plus rien à se dire. Sauf que de se parler de la pluie puis du beau temps. Non, mais... Écoute, François. Je veux te dire que ça fait plus de 2 mois et demi qu'on se connaît. Tu sais très bien maintenant que je suis sincère. Je t'ai encore rien demandé. Mais après tout le temps que tu as eu pour réfléchir, il faut que tu te décides. Il faut que tu fasses quelque chose. Tu peux pas passer l'année qui vient à rien faire. Tu dois reprendre tes études et moi, il faut que je me protège. Faut que tu te protèges de quoi? T'as rien à craindre, toi, tu possèdes tout. Moi, je suis un tout nu. Tu sais très bien que c'est pas ça que je veux dire. C'est pas l'argent qui me protège. C'est la possibilité d'aimer, de vivre quelque chose de complet avec toi qui va faire qu'on sera heureux. Être heureux, Maurice, je sais pas ce que ça veut dire. J'ai rien à offrir. Tout ce que j'avais, je l'ai vendu. Tout l'argent du monde peut pas racheter ce que j'ai perdu. T'as jamais accepté de recevoir quoi que ce soit parce que tu te fais pas confiance. T'as peur d'être aimé parce que tu te fais pas confiance. C'est à toi que je m'adresse, François, pas un autre. Je sais plus. Je sais plus quoi faire. Je peux pas te demander de m'aider. J'ai peur de t'engager dans un cul-de-sac, de te faire souffrir. Je veux pas que tu m'aimes. Penses-tu que tu vas tout régler en me disant ça? Cesse de te battre contre toi-même. Je crois pas à ce que tu viens de me dire. C'est pas nous deux qui te fait peur. C'est la tendresse, l'affection, parce que tu n'y crois plus. Tu passes ton temps à te condamner. Qu'est-ce que tu veux, au juste? Que je m'en aille, que je te laisse tomber? La décision te revient, François. Ou tu coules, ou tu nages. C'est sûr que j'aimerais ça retourner aux études. Voir quelqu'un qui s'occuperait de moi. Quelqu'un qui me demanderait comment ça a été quand je rentrerai le soir. C'est sûr que j'aimerais ça aller en vacances où j'ai envie d'aller. Quelqu'un avec qui? J'aimerais ça aller voir des spectacles. J'aurais plus besoin de faire l'amour à tout le monde. Je pourrais jamais croire que tu pourrais me donner ça. Pas après la vie que je mène. Tu vas toujours t'en souvenir. Puis quand je vais te caresser, tu vas me demander si je faisais ça aux autres. Et puis comment je faisais ça? Puisque je me laissais faire. Tu pourras jamais oublier. Quand tu as une poubelle, ça s'oublie pas. Moi, j'oublierai pas. Les autres non plus. Toi, en particulier. Tu comprends, Maurice, pourquoi je veux pas que tu m'aimes? Es-tu sûr que t'as pas plus envie d'aimer que d'aimer quelqu'un? Es-tu sûr que t'as pas plus peur d'être aimé que de m'aimer? Maurice, à s'aimer, c'est commencer à douter. Toi, de moi. Tais-toi, je t'aime. J'ai peur, Maurice. J'ai peur. J'ai peur de te faire l'amour. Je sais plus comment. François, es-tu venu à soi? On l'a plus, ben, ben. Hey, ça long... man! T'es plus dans la ligne mineure. Ça fait-tu longtemps que tu l'as vu? Je sais pas. Peut-être une semaine. Thank you.
soir. Je vais aller passer une coupe d'air avec toi. À plus tard. Ça fait 2 ans et demi que Paul est mort. Je pense souvent. Très souvent à lui. Je l'aimais, Claude. C'était l'être le plus près de moi. Moi, je m'en suis sorti. Lui. Pourquoi? Claude aimait la vie désespérément. Mais sa maladie d'aimer s'était déclarée trop tôt. Il n'avait pas eu le temps de se venger. Il fut victime. Victime de parents inexistants. Trop démultiplié par les foyers d'accueil. Il me racontait une nuit qu'il avait fait 32 foyers d'accueil en 16 ans de vie. C'est épouvantable. Aucun amour humain n'aurait pu lui permettre d'accéder à des valeurs que j'ai jamais connues, que des parents n'y avaient jamais données.
pensais pas être capable de vous raconter tout ça. On peut pas résumer dans une entrevue, même si elle est longue, toutes les privations, les frustrations qu'on accumule pendant plusieurs années. Mais malgré ça, j'ai tenté de vous livrer l'essentiel de mon expérience. Puis je suis content d'avoir été capable de le faire. Si tout ce que je vous ai raconté, ça peut vous aider à faire un bon film, c'est tant mieux. C'est tant mieux parce que ça va aider du monde. La prostitution chez les gars, on n'en parle jamais. On ne veut pas savoir que ça existe. Moi, dans ce que j'ai vécu, une chose qui m'était insupportable, c'était le silence. Puis tout ça dans l'homosexualité, ce qui était pire. La prostitution, moi, je pense que ça va toujours exister. Parce qu'il n'y aura jamais de parents parfaits. Et puis, il n'y aura jamais d'enfants parfaits. Faites-le, votre fille. Faites-le pour Claude.